Yo les bracos. Allez, let's go. Hop, je m'installe. Ah. Salut à tous. Salut la carotte, salut Sneezy, salut Adrien, salut David, salut Théo. Et salut légende. Bienvenue à vous. Bon. Il y a un truc que j'ai pas fait. Je vais mettre mon retour petit bureau vite fait. J'ai pas mis le compteur. Et le compteur, il va falloir que je le change. J'ai oublié de le faire, désolé. Tac. Ne vous inquiétez pas, ça clignote, c'est parce que je suis en retour au bureau. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Let's go. Alors. Faut que je remette ça en plein écran. Et c'est parti. Let's go. Ah, bon. Allez, on est en place. Let's go. Alors, yo Soflard. Salut Romain, salut Florian, Ro Soflard du coup, Arnaud, Yannick et Tiger. Allez. Comme d'habitude, j'en ai un dans la flotte. T'as pas pris toi? Tu vas prendre ta balle, hein. Ouais, va falloir chauffer, hein. J'en ai un qui est dans l'eau, l'autre qui se fait la malle, ça commence bien. Allez, let's go. Ah, j'ai pas fait mon petit mélange au lit, tiens. Alors, j'ai déjà une question. Ensuite, minute. Ah, c'est que des solos que t'as? Oula. Non, c'est pas normal. Des coins d'eau solo. Tu veux dire que t'as que des animaux qui sont solo? T'as 70%. Ça va être tendu pour ton farm. Ah, il m'aurait donné un diamant celui-là, merde. Je viens de voir que on l'aurait pas loupé, il m'aurait donné un diamant. C'est pas grave, on chauffe. Donc bah, j'espère qu'on va sortir un petit grid. Hein. Après ça m'étonnerait aussi, on est qu'à 76 kills depuis le dernier grid one. Hein. Après on sait jamais. Je me suis déjà vu sortir un deuxième grid one à 91 kills, on sait jamais. Hein. On verra. Avec un peu de chance. Oh, encore un gros 2 là. Oh, oh, oh. Ça commence plutôt bien tout ça. Alors, où est-ce qu'il est? Bah. Et comme par hasard, il est juste derrière. Je suis obligé de le tirer sans le trépied, celui-là. Allez, remonte ta tête. Boum. Let's go. C'est ça, environ 35-37 coins d'eau. Quasiment tous les coins d'eau disparus parce qu'ils étaient solo. Ouah, c'est chaud. Après, avoir autant de solo, ouais, bah il va falloir que tu essayes de... Après, si c'est que des solos, c'est normal que les points disparaissent. Faut que tu essayes de les faire passer en deux. Chaque solo, pareil, les faire passer en deux, hein, en un ou deux. Oh, let's go. On s'est rattrapé sur celui-là. Let's go, let's go, 255-61, c'était juste. Bon bah on commence bien. Dommage qu'on a failed le premier.
Yo, salut Warren. Je vois pas ta vidéo, mon écran est noir. Sérieux? C'est bizarre. Essaye de relancer le live. Hein. Les gens, vous voyez tous correctement, non? Vous voyez correctement ou il y a que David qui a un écran noir? Il est parti où l'autre là? Ouais non bah ouais. Il y a que toi David hein, qui a un problème. Hein. Essaye de relancer. Putain je sais pas où il est parti l'autre du coup. Ah il est là. Ouais t'as dû avoir un petit bug. Welcome to YouTube. Allez, let's go. On ramasse tout ça. Et celui-ci, 200. C'est ce que je comptais faire. Allez, ouais, de toute façon, tu vas pas avoir trop le choix. Hein. T'es obligé de les faire passer en deux aussi. Hein. Moi, c'est, tu vois, il m'en reste... si je dis pas de conneries, il m'en reste 4 ou 5, je crois. Yo, merci Soflar pour les souscriptions. Oh, Zayn, il tombe dedans. Merci à toi, mon petit Soflar. Allez, je... change. Zaynou. Et ouais, ils sont là. Ouais, du coup, je disais, il va me rester... je vais attendre de parler. Et du coup, ça y est, fout le bordel, sauf là. Alors... Ils sont tous de dos. C'est bon, c'est fini? Ou il y en a encore un, là? C'est bon, c'est fini. Et du coup, je disais, ouais, sur mes dins, c'est pareil, il me reste 4, au moins 4, je crois, où c'est que des solos. Non, il n'a pas pris. Tu vas prendre quand même... Ouais, c'est bon. Ça va me faire courir un peu quand même. Pardon. Oui, monsieur. Il fout le bordel. Du coup, il est parti où celui-là? De l'autre côté. Ouais, il va falloir chauffer. Hein. J'ai pas joué aujourd'hui. J'ai pas eu trop le temps. Donc, il va falloir chauffer la IM. Et chauffer les Gritoines en même temps. Bon, du coup, est-ce que vous avez kiffé la nouvelle Arzina, là, sérieux? Parlons de choses sérieuses. L'Arzina. Oui ou non? Parce que moi, je l'ai adopté direct. Hein. Franchement. Yo Méric, bah merci à Soflar. Hein. Merci à Soflar pour l'abonnement. Ah ouais, Tiger. Non, franchement, elle est ultra violente. Hein. Alors, il est là-bas. Yo, salut Senshi.
Non, non, t'as pas besoin de recommencer, tu fais avec, hein. Je crois que je devais en avoir autant au début, hein. Et petit à petit, il y en a qui se sont greffés à d'autres groupes et qui se sont transformés en deux, en fait. Bon, c'est un peu plus long, mais je crois que tout le monde doit avoir à peu près le même délire de solo. Ouais, la Arzina, franchement, je pense que tout le monde doit la kiffer. Hein. Elle est disponible sur console, ouais, bien sûr. Hein. Je crois que, ouais, elle est sortie. Ouh, en fucking 3. Elle est sortie, quoi, le DLC, il est sorti sur toutes les consoles, hein, je crois. Quoi, sur toutes les consoles. Sur toutes les plateformes, pardon. Pour l'eau, sur les nouvelles heures, c'est bien de 4h à 8h. Ouais, c'est ça, c'est 4h à 8h. Et je te conseille de mettre un bon 6h30. Un bon 6h30, comme ça, au moins, t'es tranquille. Moi, c'est ce que je fais, hein, personnellement. Je commence à ferme vers 6h30. Après, tes tournées sont un peu plus courtes, mais au moins, t'es sûr que tous les animaux sont déjà dessus. Quoi. Après, 6h, je pense que ça passe aussi. Hein. C'est incroyable de se dire que tu as plus de 100 guétoines. Ouais, ça y est. Hein. Ça y est, c'est parti. La barre des 100 est passée. Ouais, c'est ça, hein, Senshi. La Arzina, c'est la même que celle-ci. C'est la même que la 300, mais en... que la 308, mais en plus puissante. Hein. Let's go. Deuxième diamant. Petit 3, il est vraiment petit, celui-ci, par contre. Pas très gros. Hein. Ok. Ouais, il faut que tu tues tes ours, David. Il faut que tu tues tous tes ours que t'as de 20h à minuit. Et tu redémarres ton game. Tu changes l'heure, tu mets le matin. Et normalement, tes animaux devraient être là. En fait, il faut que tu tues tous tes ours pour qu'ils puissent respawn le matin. J'ai combien de kills avant le dernier Great One Serre de Virginie? J'en ai... Attends. T'as combien de kills avant le dernier? Avant le dernier? Wow, j'étais à... Je sais plus combien. Je sais plus. J'ai une série assez longue. Hein. Et là, du coup, depuis, on a recommencé. Et je suis à 81, là. J'ai plus qu'un seul 2 ici là. Waouh. Parti où tous les autres, ils sont transformés là. J'ai plus que D1 presque. Ok. Let's go. Ils ont pris cher direct. Il va encore gratter Great One. Ouais. Là, on verra s'il loupe ce soir. C'est vrai qu'il l'a loupé. C'était quand il. Avant-hier. Il l'a loupé avant-hier. Enfin, il est revenu après. Je pense qu'il a dû regarder soit la rediff, soit la vidéo que j'ai faite après pour écourter les choses. Yo, salut Black Bull.
GG pour ton faisant albinos, Théo. Alors du coup j'en ai un là. Et le buste là. Non non t'inquiète, justement j'ai pareil hein, en fait j'ai eu le même problème en fait quand je suis arrivé sur la carte, je me suis dit ouais c'est quoi le délire, ils ont pas changé les heures pour l'ours. Et en fait si il fallait tuer les ours que t'avais déjà sur ta carte. Et après en fait ils respawnent automatiquement le matin. Yo, salut Nathan, bienvenue à toi. Le Gritton Ours Crème est magnifique. Ouais, mais ouais, merci Senshi. Aïe, c'est le sixième. Hein. Il me manque maintenant la couleur que je vais galérer, un peu comme le mocha, je suis sûr. Il manque le... Le glacier version 2. Donc celui-là, je pense que je vais galérer un peu. Salut, tu pourrais faire une vidéo pour comparer l'ancienne 300 et la nouvelle, s'il te plaît, sinon continue comme ça. J'adore tes vidéos. Merci à toi, Nathan, ça fait plaisir. Ouais, t'inquiète, ouais, je pourrais faire une vidéo, mais après, tu sais, ça reste les mêmes munitions. Faudrait regarder. Ouais, je ferai ça. J'essaierai de comparer, de faire une petite vidéo, si ça peut toujours intéresser du monde. Yo, sauf là. Merci pour les souscriptions. Les 5 de plus. Ça s'applaudit. Je trouve que c'est compliqué Revontuli, car c'est grand. Ouais, c'est grand Revontuli, mais honnêtement, ta carte, elle se prépare très très vite. Hein. Faut pas décourager là-dessus. Tu verras que tes zones, elles passent pas mal en petit assez rapidement. Yo, salut Pamela. C'est bien parce que je vais aller dans la piscine cet été. Ah, je me disais bien aussi qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière tout ça. Derrière cette gentillesse. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vais refaire un petit tour là. Oh, mais il est déjà midi. Eh ben, let's go. Non, moi je sais que pour Switch, femelle et mâle, je ramasse pas les femelles, je ramasse les mâles. Mais les femelles, je les ramasse pas. Et il faut justement éviter de les ramasser, parce que le temps que tu fasses le Switch, sinon ta femelle, tu vas la tuer, tu vas la ramasser. Et c'est un risque qu'elle spawn directement, donc... avant que t'aies le temps de tuer ton mâle. Donc c'est pour ça que je les ramasse pas. Je les laisse. Oh, GG Fabio. Ça s'applaudit, c'est un premier Great One de jour. Allez. Tu as déjà fait un tuto pour farm comme je fais? Ouais. Oui. Tu regardes mes vidéos, c'est comment farm. Et après, tu tapes comment farm, si tu veux farm le cerf de Virginie, comment farm le cerf de Virginie, ou l'élan, ou des trucs comme ça, et tu tomberas sur mes vidéos automatiquement. J'en ai encore un qui s'est barré dans l'eau. Merci Warren.
Ah ouais, il s'est barré dans l'eau encore, putain. Il saoule à chaque fois. Je le récupérerai après. Comme d'habitude, on le récupérera après. Ouais, d'ailleurs, j'ai bah, tiens, je vais vous créer une petite playlist sur comment farm. Comme ça, les gens, ils vont moins galérer. Vous trouverez dans mes playlists directement. À chaque fois que vous voulez farmer un Grit One, vous aurez la vidéo. Ouais, c'est chiant quand il tombe dans l'eau. Et sinon, il y a une astuce, hein, quand il tombe dans l'eau, tu changes de tente. Il va carrément sur un autre lac, tu reviens, et généralement il est sur la berge à côté ou un truc comme ça. Soplar, j'ai joué aujourd'hui vite fait à CSGO, à CS2 là, putain, je me suis pris des fessées, mon gars, je suis tombé avec des mecs dans mon équipe, laisse tomber, des vrais bras cassés, c'était abusé. Comme d'hab, hein, j'étais tout seul à jouer. Il y a quoi comme espèce exactement en Grit One? En Grit One, t'as 5 espèces, cerf de Virginie, cerf élaf, le daim, l'élan et l'ours noir. Voilà les 5 espèces où le Grit One existe. Ah, pour une fois, il est pas arrivé. Il est où? Il est là. Ah, tu vois, regarde, là, j'ai changé de tente. Et regarde, là, il est arrivé sur la berge ici, là. Tu vois? Une fois sur deux, il arrive sur une berge. Ah, le premier ours, généralement, il sort... Moi, je sais qu'il est sorti entre 1500 et 2000 kills, je crois, le premier. Après, il y en a... Et encore, j'ai eu de la chance, moi. Il y en a qui galèrent encore plus que ça. Je sais pas si c'est... Ouais, bah Fabio, je sais pas si t'as regardé mon tuto, quoi, mon tuto comment farm l'ours noir. Mais j'explique vraiment tout dedans. Oh, encore un gros là. Hein. C'est bon. Mais lui, c'est bon. Ouais, en fait, il faut que tu fonctionnes sur 5 lacs, Fabio. Que sur 5 lacs et les autres à l'extérieur, tu les fais passer en petit. Mais c'est très très difficile de les faire passer en petit à l'extérieur. Franchement, c'est galère. T'as bientôt tous les Grit One. Il m'en manque quelques-uns. Bah, il va me manquer les plus durs, quoi. Quoi, les plus durs? Il me manque deux couleurs sur... Non, une couleur sur le daim, une couleur sur l'ours, une couleur sur l'élan, le frêne. Après, je l'ai, mais on me l'a donné. C'est pas le mien, donc c'est pas moi qui l'ai fait sortir. Et puis, il me manque... un bois, je crois, sur le cerf de Virginie. Plus il manque le pi cerf de Virginie. Let's go. Troisième diamant. Encore un 2, hein. Décidément. Ils sont vraiment très gros, les deux, là. Let's go, let's go.
Après, les serres et l'AF, je les ai tous. Mais il me manque aussi quelques bois, vu que des fois, tu sais, les bois, sur, surtout sur Serre de Vergénie et sur l'élan, t'as la moitié d'une sorte et l'autre moitié d'une autre sorte. Yo, salut Ghost. Salut BRP et salut pêcheur. Non, vous avez rien raté, on vient de commencer. Commence tranquille. Bon, bah, on a fait 3 diamants. J'en ai loupé un. Le premier en plus, le premier kill que je fais, je crois. J'ai pas fait attention, c'était un gros 2 et je le fail. J'ai enfin la NASA. Bah de rien, hein. La Zarza, tu vas kiffer, hein. Fais gaffe. Hein. Je te le dis. Il m'a remis un 1 là. J'en avais combien? 4. Ouais, c'est ça. Il m'a remis encore un 1 là. Non, 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 non. Ce spot là, il dégage. C'est lequel le plus gros? 171, 157, 169. C'est celui-là qui dégage. À chaque fois ici, il veut pas. Hein. Pourtant, j'ai mes grids qui spawnent ici à chaque fois. Toi, tu dégages. Tu me laisses pas en deux ici, c'est mort. Un 1, je veux dire. Chaque fois, ils me remettent un 1 ici. C'est ouf. Alors que c'est ma meilleure zone, je crois que j'ai déjà eu 3 grid 1 à cet endroit-là. Yo, salut Jean-Luc, je suis sur Raymond Tully Ghost. Oh, GG Nathan, tu l'as trouvé sur quoi? Sur ta carte ou sur une carte en multi? Et après ça arrive, hein. Si t'as beaucoup de chance ou si t'as déjà tué des Serelaf, etc. Tu peux avoir de la chance et que le Grid One sorte sans le farmer, hein. Ça arrive très souvent, quoi, très souvent. Ça arrive souvent, mais en fait, nous, quand on farm, c'est pour en avoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi. Le premier 9 que je fais, c'est un 3. Ah, BRP, il n'a pas de chance. Night 9. Bah bienvenue à toi, Knight. Non, bah Tiger, il faut que tu joues aussi un petit peu. Hein. Regarde pas que mes vidéos, c'est bien parce que tu vas apprendre des choses sur le jeu. Et il faut que tu play aussi. Alors du coup, j'en ai un là et un là. Comme par hasard, il se tourne. C'est bon, et c'est bon. Et au fond... Ouh, on a encore un 3 là. Ouh, non. Oh, regardez ce 2 255 oh, de 255, 296. Il est énorme. Essayez de pas le louper. Ouh. Lui, c'est bon. Et l'autre, par contre, il s'est fait la malle, je sais pas où. Où est-ce qu'il est parti, l'autre? Pas repasser. Hein. J'en mets 3. Oh, il était vraiment énorme. Je crois que c'est le plus gros 2 que j'ai jamais eu, celui-là. Magnifique.
qu'il mette une nouvelle carte. Ouais, un nouveau grid, ouais, bah comme tout le monde, hein, Warren. Alors, 214. Ah, merci, bah tu lui diras bonjour aussi, Merrick. Alors du coup, fais voir celui-là. Ah, on l'a fail, je crois. Non. Oh. Non, non, j'ai rien dit. Non, c'est bon, 258-40, eh. Qu'est-ce que c'est que ce 2, quoi. Abusé. Non, ça enchaîne les diamants. Ça enchaîne. Salut, j'ai raté quoi. Yo, salut Antoine. Rien du tout, t'as rien loupé. Juste quelques petits diamants, puis c'est tout, quoi, pour l'instant. Ça fait pas longtemps, ça fait 30 minutes qu'on est en live. J'en ai pas qui sont revenus là. Blablabla. Je vais faire un petit tour là au cas où. Ah, merci, Knight. Ah, mais tu sais, les diamants, quand tu vas farmer, ça tombe. Hein. Oui, je les garde même pas, les diamants. À part les diamants de couleur, je garde. Parce que quand les zones sont mises en petit, ça met longtemps à spawn. Non, si tu mets tes zones en petit, il faut que tu retires ta tente et ton trépied. Tu laisses ce point-là, tu y vas plus dessus. Tu iras une fois toutes les 20-30 tournées pour voir s'il n'y a pas de... Tu vois, là j'ai un 2 qui a spawn ici. Alors que ça, c'est une zone où il n'y a que des petits. Mais je laisse une tente parce que je sais que de temps en temps j'en ai un qui vient spawn ici. J'ai le jeu sur PC et Xbox. C'est lourd de devoir acheter. Ah ouais! Ouais, j'avoue, Jean-Luc, chaud. Ah, c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite sur PC ou rester sur console. Hein. Parce que c'est vrai que racheter tout à chaque fois, ça coûte un billet quand même. Après, j'ai un gagnant qui a pas... Le dernier gagnant de mon DLC, du concours, là, il est... J'ai pas eu de nouvelles, je vais refaire un tirage. Donc à mon avis sur la prochaine vidéo, tenez-vous prêts. Soit je mettrai un DLC à gagner, soit il y en aura peut-être deux. Donc sur la prochaine vidéo, il y aura un concours. Hein, l'autre, je le mettrai à regagner. Allez, let's go. Bah oui, Warren, c'est comme ça, de toute façon, c'est plus tu farmes, plus tu vas avoir du rare. Il n'y a pas de secret, il faut farm. C'était un DLC au choix. Donc tu vois, ça pourra même être le nouveau. Hein. Oh, oui, bien sûr. Bah, après, quand c'est joueur console, ça sera une carte PSN ou Xbox. J'ai encore un 3 qui est tombé là-haut. Let's go.
C'est grave sur les points d'eau. S'il y a que des femelles, non, des fois ça arrive. Hein. Des fois tu vas tuer les mâles. C'est pour ça que j'essaye de toujours laisser au moins un mâle quand je commence mon farm, en fait. Quand je commence mon farm, j'essaye toujours de laisser au moins un mâle sur le spawn. Parce que si tu tues tous tes mâles, il y a un risque que tous tes animaux disparaissent, en fait. Quoi, tous tes animaux, tous tes mâles du spawn aillent dans un autre endroit. Donc c'est pour ça, essaye de tirer un animal, tu vois si ça revient. T'essayes de tirer le deuxième, tu vois si ça revient. Et s'il revient à chaque fois, là ça veut dire qu'il bougera pas et normalement tu pourras tirer les deux. Bon bah let's go, encore un autre. Ouais Warren, bah de temps en temps c'est ce qu'il faut faire. Moi personnellement je le faisais avant, maintenant je le fais plus du tout. À part quand je découvre mes cartes. C'est le seul moment où je vais me balader, c'est quand je découvre mes cartes. Yo Yannick, ouais carrément, la Arzina là, c'est une dinguerie. C'est quoi les têtes de mort? C'est les kills que j'ai fait depuis mon... Désolé, j'ai la lasagne qui revient. C'est les kills que j'ai fait depuis mon dernier Grit One. En fait, il y a 96 kills, j'avais un autre Grit One. Et eux, ils sont pas là. On reviendra tout à l'heure. Ça m'aurait bien remis un 1, non? Ouais. Je verrai ça tout à l'heure s'il y en a un deuxième, mais j'ai un doute. Let's go, boom! Yo, Johan, bienvenue à toi. Ça va et toi? J'avais que des femelles et j'en ai tué. Non, normalement, si tu tues des femelles, ça fait pas respawn des mâles. Hein. S'il y a des mâles qui sont arrivés, c'est que c'était des solos. Mais la place d'une femelle reste une femelle et un mâle reste un mâle. Ouais c'est ça, c'est 16 tentes par carte, tu peux pas en mettre plus. Si t'arrives à en mettre plus, c'est pas normal. Hein. Tu penses qu'il va mettre longtemps ce grit là, je sais pas du tout honnêtement. Le cerf de Virginie, tu sais, après, ma carte est faite, donc des fois ça va très vite et des fois ça met plus de temps. On verra, là on va faire pas mal de kills, puis on verra si ça sort. Hein. Peut-être un super rare, hein. J'aimerais bien. Alors, j'ai que des 1. J'ai que des 1. Yo, salut, Lyorn. Lyorn, pardon. Bonsoir à tous. Alors, cette nouvelle 300. C'est cette nouvelle 300, la Arzina, c'est une dinguerie! C'est une dinguerie, tu peux demander à tout le monde, c'est une pure tuerie. Bon bah là, ce soir, je vais pas jouer avec, hein. Je vais jouer avec la Zarza. Et non avec la Arzina. J'étais à 17 000 en thune depuis que j'ai commencé à farm, je suis arrivé.
130 000, bah ouais. Hein. Moi, tu regardes, je suis à 17 millions. 17 millions, ça va super vite quand tu farmes, quand tu fais que ça. C'est une dinguerie. Juste, ça sert à quoi de continuer le farm alors que tu... Ah, j'ai peut-être... j'ai pas 95, j'en ai 101. J'ai 101 Great One. Mais c'est parce que j'ai pas toutes les couleurs, j'ai pas tous les bois. Donc il faut continuer à jouer. Pas le choix. Yo, salut Reynald. Salut à toi. Ouais, j'ai une loge, hein. J'ai une loge pour les... pour mes trophées Night. J'en ai pas qu'une d'ailleurs. Mais je pense que je vais modifier un peu plein de trucs là sur mes loges. C'est pour ça que j'ai pas encore fait ma vidéo sur ma loge. Ça viendra, mais vu que là je commence à avoir vraiment beaucoup de Great One, je vais séparer mes loges en espèces. Là j'ai tout, tout est mélangé, sauf qu'il va falloir que je change. Alors... Ah oh bah dis donc, j'y mets deux vieilles balles de merde. Et là-bas... L'autre il est pas revenu. Il manque le pied aussi. Ah, si elle est là-bas. Je vais prendre celui-là. Facochère Albino, ça va GG à toi, Knight. C'est mieux de recommencer pour une carte. Non, t'es pas obligé de recommencer. Hein. Si t'avais déjà tué du gibier, tout ça dessus, je vois pas pourquoi il faudrait recommencer ta carte. Hein. Ça marche, à plus Théo. Ouais, ça passe très vite. Hein. Quand tu dis, tu fais entre... Quoi, je fais moins de kills qu'avant, mais je fais au moins une quinzaine de kills par tournée. Ça va très très vite. Hein. Ils étaient pas partis. Oh, bah, vas-y, il n'y a pas assez de place. Fonce-moi dedans. Ah, propre Nathan. Ça, c'est bien dans la vraie vie. Est-ce que t'as déjà sorti du Great One? Non, pour l'instant, on sait pas du tout ce que ça va être le prochain Great One. On sait même pas ce que ça va être la prochaine carte. C'est encore flou. Oh mon dieu. Est-ce que t'as pas beaucoup de points d'eau? Ouais mais fais attention aux heures, hein, Johan. Tu vois là par exemple le cerf de Virginie, je sais que c'est 8h midi. Pour être bien, je vais arriver sur mes points d'eau vers 10h. Et au moins, je suis sûr que mes animaux sont déjà là. Et t'as des zones à respecter. Ils sont pas tout le temps sur tous les lacs. Putain, ils sont même pas là encore. Comment ça se fait qu'il est pas là, lui? Ok. Ah, propre, Nathan.
Tu chasses en dehors de The Hunter? Non, c'est prévu que je passe le permis de chasse, mais pour l'instant, toujours pas. Mais j'y allais quand j'étais plus jeune avec la famille. D'après la rumeur, la prochaine soirée. Ouais. Après, c'est ce qu'on dit, hein, mais ouais, apparemment, ça pourrait être une carte Asie. Ça pourrait être cool aussi. Hein. Ça changerait carrément de continent. Ça pourrait être plutôt bien, même. Yo, salut Hélène, bienvenue à toi. Et du coup, sur la prochaine carte, ouais, je pense qu'il y aura un nouveau grit, à savoir quoi. Après, s'ils nous mettent un prédateur, franchement, je kifferais. J'ai vu qu'il pourrait y avoir peut-être. C'est quoi, Jaguar, je crois, ou Léopard, je crois. Un délire comme ça. Ça pourrait être cool, tu vois. Ah, lui, il va tomber dans l'eau, lui aussi. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, bah ouais, hein. Surtout si c'est Asie, je pense qu'ils vont nous mettre beaucoup d'espèces, beaucoup de nouvelles espèces. Hein. Et ça ferait vraiment un gros, gros changement. Il faut pas qu'ils nous remettent du cerf de Virginie, du cerf Elaf. Pas possible. Il faut vraiment qu'ils nous mettent que du nouveau gibier. Ça serait carrément plus cool. Il y en a déjà plein de petits gibiers, Stanislas. Quand on voit tout ce qu'il y a, franchement, il y a beaucoup de... Il y a du lièvre, du lapin, et toutes les sortes de canards qu'il y a, la sarcelle, colvert. C'est abusé. Et là, ils ont rajouté, je sais plus quoi, là, sur... C'est sur quoi? Sur Mississippi aussi, il y avait tous les petits... Attends, je m'arrête de parler, je regarde si le gros... Oui. Oui, sur Mississippi, il y en a plein aussi de petites... je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi? C'est pas des galinettes? Non, c'est pas les galinettes. Les galinettes, si, ça ressemble à moitié à ça. Je sais plus ce que c'est. Mais vu que je chasse très peu le petit gibier sur The Hunter, je me rappelle plus des noms. Tapir, tigre, dragon, komodo. Ouais, les dragons de komodo, ça serait vraiment cool, ça. Non, on en avait parlé, bah, je sais plus. C'est pas toi qu'on avait déjà parlé, Senshi, sur le live l'autre jour, là. Ouais, des pigeons, par contre, les pigeons, ça serait bien. Ça pourrait être cool, ça. Ouais, galinote, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pareil, hein, galiné. Galinette, galinote, wow. Colin de Virginie, ouais. Ouais, c'est pour ça, il y en a beaucoup, hein, franchement. À combien, j'ai combien de diamants? J'en ai 1386. Allez, récupère celui-là. Éléphant d'Asie, pourquoi pas? Non, c'est une espèce protégée. Ils pourront pas mettre tout ce qui est girafe, éléphant, tout ça. Même si ça reste un jeu, je crois qu'ils ont pas le droit de les mettre. Oh, le 3 là-haut, là. Ah, quand même, vous avez vu la vitesse où ça tombe, les diamants. C'est abusé, quoi. Ah,
Non, mais il parlait d'un petit cerf, je sais plus ce que c'était, quand ils ont fait le questionnaire là, ils ont mis le cerf, je sais plus quoi, et c'est Alfredo en plus qui m'en a parlé de ça, et c'est un cerf qui se trouve que en Asie. Donc à mon avis, c'est sûr et certain que la prochaine carte, ça sera une map Asie. Hein. Oh, il est beau, 273, celui-ci. Celui-ci, je le prends. Un petit screen, par contre. Et je rajoute un petit diamant. Allez, on va peut-être faire un max score, ce coup-là. Depuis qu'ils ont regardé, justement... J'ai pas compris, Jean-Luc. Depuis qu'ils ont... incrémenter l'enregistrement de cette... Ah ouais. Il te manque... combien de grits? Il m'en manque... il m'en manque quelques-uns. Il me manque... trois couleurs... trois couleurs sur trois espèces. Élan... quoi, il manque une couleur sur l'élan, une couleur sur le dain, une couleur sur le l'ours. Et après il manque plein de bois. Des bois que on peut même pas imaginer quoi. Pour ça, avant d'avoir tous les Great Ones, c'est impossible. Vu tout ce qu'il y a. Le cerf Mérinos, ah peut-être. Je sais qu'il s'appelle le cerf machin, mais je sais plus du tout ce que c'est en fait. Oh, let's go. Oh, le troll. 252. Dégueulasse. 1390. Ouais. Bah, généralement, c'est que du farm, donc... c'est que les 90% on va dire de mes diamants, c'est pendant le farm. Hein. Le cerf Munchak. Ah, c'est peut-être ça aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Il l'avait proposé dans la liste des nouveaux animaux qu'on aimerait voir. Ce fucking troll. Ouais, le Munchak, là, ça ressemble à moitié à un... ça a les mêmes bois que qu'un chevreuil, un peu. Ça a des tout petits bois de merde. Donc après, je pense pas qu'il fasse un grit là-dessus, hein, mais ça a vraiment des tout petits bois. L'arbre de poing est pas mal. De 4 à 8, il me semble. Ouais, c'est quoi, la 45-70, le pistolet? Plus de trolls ou de diamants? J'ai beaucoup. Je dirais que ça se vaut. J'ai autant de trolls que de diamants, quoi. Bon, let's go. J'allais tirer, mais non. Encore d'autres là-bas. Je n'ai plus qu'un là-bas. Ouais, c'était sûr, de toute façon, l'Iron.
C'était sûr que le la 300, tout le monde allait la jouer et que les autres, ça allait être délaissé. C'est tout le temps un peu le cas, de toute façon, dans chaque DLC. T'as toujours des armes qui sont un peu délaissées. Ah ouais, la 300, elle sort du lot. Hein. Après, tu vois, par contre, quand ils ont sorti le pack avec la Zarza, et bah, les trois armes sont bien, en fait. T'as quoi, la 243 et la 22 LR, là. Et bah, plus la Zarza 308. Mais franchement, les trois sont bien, quoi. Ouais, bah on verra hein, sur la map Asie, si c'est ça, on verra ce qu'ils nous mettent comme gibier. Hein. S'ils nous mettent pas mal de petits gibiers, bah faudra s'y faire. Ça fera peut-être un autre style de farm. On verra ça. Du coup, j'ai tout fait. Oui. Je vais retourner voir. Ouais, ouais, quand ils avaient sorti le pack avec la Zarza, là. C'était des... Les trois sont bien. Ok. Oui, après tu peux t'en passer hein, de la nouvelle Arzina. Tu sais, moi avant je farmais avec la Canning. La Canning est très bien. Hein. Mais c'est vrai que l'autre, l'Arzina est beaucoup mieux. Hein. T'as beaucoup moins de recul. Et quand il faut que tu fasses un carnage sur ta zone, franchement, la Arzina a vaut le coup. Hein. Attends, j'ai commencé à jouer à The Hunter grâce à tes vidéos. Bah, merci à toi, The Hunter. Et puis, bah, du coup, profite bien de ce petit jeu. Franchement, il est juste extraordinaire. Hein. Le gorille d'eau argenté. Ouais, mais c'est protégé. T'as pas le droit de les tuer, je crois. Après, j'avoue que ce serait bien. Hein. Oh. Ça serait un truc de ouf. Hein. Chasser le gorille. Wow. En plus, le Great One, ça doit être un monstre. Hein. C'est King Kong, le truc. Hein. Je regarde vite fait, là, si je n'ai pas un qui s'est greffé. Ok. Mais non. Ouais, c'est vrai que, putain, tu m'as donné envie avec le gorilla Lion. Ça doit être un truc de ouf, t'imagines? Le Great One en gorille. Il serait vraiment énorme. Salut, t'as fait un tour. Putain, je vois pas, j'ai un problème avec... avec le truc de... Genre, ah, voilà. T'as fait un tuto sur le raton laveur? Non, j'ai pas fait de tuto. Ouais, c'est un petit gibier aussi pour moi, le raton laveur. Je chasse pas du tout le raton laveur, je suis désolé. Ouais, le tigre et tout, c'est pareil, ça serait bien. Ouais, faut pas s'emballer, on verra ce qu'ils vont nous sortir déjà. Ça se trouve, la carte, elle sera écœurante. Oh là là là, celui-là il est beau aussi. Hein. Pas un qui va tomber dans l'eau. Let's go. Comme d'habitude. Ah ouais, carrément. Elle est soumise à une gestion. Ouais. Je serais moins con ce soir encore, moi, tiens. Yo, salut Quentin, bienvenue à toi. Quelle map j'aime le moins? Hirschfelden.
La première carte, je la trouve vraiment écœurante. Pourtant, j'ai joué au début dessus, mais je la trouve... Elle reste belle, Hirschfelden, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de végétation. Et même sur les points d'eau, tout ça, c'est hyper galère à chasser. Je pense que c'est la carte que je joue le moins. Et d'ailleurs, ça fait... je sais pas combien de temps. J'ai voulu faire le dain dessus. J'ai été faire mes points avec Zane. Et j'ai vite abandonné. Vraiment trop galère à faire. Après, c'est bien pour les personnes qui ont pas encore acheté de DLC ou etc. Ça te fait faire la main. Mais franchement, je suis vraiment pas fan de cette carte. En moyenne, pour le grid, ça, je dois faire combien de kills pour le sortir. Il n'y a pas de, tableau, il n'y a pas de kill précis pour n'importe quel grid en fait. Et il sort quand il a envie de sortir. Ça peut être, tu peux le sortir à 100 kills ou même 50 kills. Comme tu peux le sortir à 7000 kills. Et bah tu vois, les Tonnec, pourtant je l'aime bien. Je trouve qu'elle est bien faite. Franchement, je l'aime bien. J'ai commencé le farm dessus pour l'élan. Ça pourra changer de Medved. Et franchement, elle est bien. Moi, j'aime bien les Tonnec. C'est une map gratuite, map de base. Mais franchement, elle est très bien. Et en plus, dessus, t'as 3 Grit One. T'as le cerf de Virginie, l'ours et l'élan. Préféré Tawara Ouais, je pense que Tawara, ouais, c'est... Elle est pas mal. C'est vrai qu'elle fait partie de mon top, on va dire. Ah, j'en ai un qui apparaît spawn ici. J'ai pas tous mes animaux qu'on respawn. Raymond Tully pour l'élan, ouais, je pense qu'elle peut être bien. Après, t'as beaucoup de solos aussi. Bon, un peu comme sur toutes les cartes, de toute façon, l'élan, t'as beaucoup de solos. Mais elle est très très bien. Je pense que le jour où j'en aurai marre, après j'ai un autre compte, donc je pense que je ferai l'élan aussi sur mon autre compte. Et sur Evontuli, je pense. Ouf, j'allais tirer, l'autre il s'est mis devant. Let's go. Non, elle est très bien, Evontuli pour l'élan. Mais quand tu vois, les points d'eau sont bien dégagés. Franchement, c'est une bonne map à farm. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non! Pourquoi ils m'ont enlevé ça, là? Sérieux? Tu m'enlèves mes tentes là, t'es sérieux? Je sais plus si j'ai mis mon kilo, je crois que j'ai mis. Yo, salut Razar, bienvenue à toi. Acheter tous les DLC, ça fait pas gagner d'argent quand même. Ouais, bah oui, Nathan, il faut pas acheter tous les DLC. C'est ce que je conseille à chaque fois, moi, quand quelqu'un commence le jeu, qui commence sur les cartes classiques,
Au pire, il se prend une petite carte. Après, par contre, les DLC vraiment à prendre, c'est plus les trépieds, le quad et la zarza. Je pense que c'est les trois vraiment qu'il faut prendre, quoi. J'étais obligé de le tirer comme ça. Où est-ce qu'il s'en va, lui? Ah, c'est vrai qu'en plus, elle est bien aussi, Quattro Colinas, pour le serre à la fin. Ouais, après, Tawara, c'est vrai qu'elle est très très bien faite pour le farm. Bah, un peu comme Revontuli, hein. Revontuli, celle-ci, elle est très bien pour l'élan et le serre et la... Le serre de Virginie, elles sont très très bien. Hein. Parce que t'as beaucoup de points d'eau... Mais t'as très peu de points aussi sur les lacs. Donc franchement, non, c'est une très très bonne carte, très bonne tulée aussi. Hein. Pourquoi je prends pas le quad? Parce que ça fait beaucoup trop de bruit, Antoine. Et du coup, tes animaux l'entendent direct pour le farm. J'en ai plus besoin là. Vu que je mets des tentes à chaque fois pour récupérer, c'est vraiment sur quelques points où j'ai pas de tente pour récupérer. Mais sinon, le quad, t'en as plus besoin. T'en as plus vraiment besoin, quoi. Pour le farm du daim, il y a des petites choses à savoir ou pas. Hésite pas, Razar, si tu veux savoir comment farm. J'avais fait un tuto comment farm le daim sur Tawara. N'hésite pas à aller la voir. Tu tapes comment farm le daim. Et tu vas tomber sur l'une de mes vidéos, je pense. Comment farm le Great One daim. Pardon. Et tu vas savoir. C'est assez bête. Hein. C'est un peu pareil que les autres espèces. Une fois que tu as compris le système du farm, ça va très très vite. Mais sinon, le but, c'est de passer les trois quarts de tes points en petit, c'est-à-dire 1 et 2, ne jamais les tirer, et tirer que les 3, 4, 5. Et c'est comme ça que ça va te permettre d'avoir du gros. Tu veux pas te tourner, toi? Attends, je vais recharger vite fait. J'ajoute déjà mes 3 kills. Non, la femelle. Ouf, putain, elle m'a fait flipper. Revontuli, il y a trop de piaf, ça me casse les oreilles. Ouais, c'est un peu chiant. Bah, tu sais, sur Tawara, c'est pareil. Hein. Quand tu farmes et que t'as les canards qui sont là en train de brailler à chaque fois, qu'est-ce que ça me saoule, moi. Tu penses que Fredo aurait le seum s'il ratait encore un Great One? Non, il serait content pour moi, mais c'est vrai qu'il serait un peu dégoûté de ne pas avoir été là. Mais tu sais, il se lève de bonne heure, donc... un peu compliqué aussi... pour lui, quoi, entre le taf et le gaming. Après, il a raison, mieux vaut se concentrer sur son travail, déjà. Le gaming, c'est plus une petite passion, quoi. Il est tombé où ce con? Il est là. J'ai fail beaucoup de Great One. J'en ai fail 1. Au tout début avec Zayn. Et yo, salut, et alors? J'en ai loupé un, ouais, à l'arc.
Et c'était un Great One Ser Elaf. Il est 11h30. Ouais, je vais montrer la loge, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo là. Il faut que je fasse un petit rangement dans mes loges. Et vu que je commence à avoir pas mal de Great One, je veux faire, je pense, chaque espèce aura sa loge. Ouais, je crois, ouais, je sais pas, j'utilise pas les chiens, l'Iron. C'est pas du tout mon délire. Et personne. Du coup, j'ai tout fait. Let's go. Je vais remettre un peu de fuel dans la vapote. Je vais aller me chercher une bouteille de flotte. Hop. Je restart ça vite fait. J'attends 2 secondes. J'arrive, hein, je vais chercher une bouteille d'eau vite fait, j'en ai pour 2 secondes. Allez, let's go, c'est reparti. Le cerf de Virginie, il est que blanc. C'est la même chose ou pas? Non, c'est pas les mêmes. Hein. Tu vois déjà que les bois, c'est pas les mêmes. Et c'est pas du tout le même animal. Il y a ressemblance, c'est vrai, au début, quand tu commences. Ça y ressemble un peu, mais ça marche, Hélène, à plus. Merci à toi d'être passé, Tiger aussi. Ah bah non, Tiger, j'ai cru qu'il s'en allait, moi. Je me suis dit, ça y est. Allez, let's go. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire mon petit mélange. Mon petit mélange au lit, là. Ah, je me disais bien que j'en avais un autre. Ouh, encore un gros, là. Encore un gros 2. Alors du coup, bah lui il va tomber dans la flotte et lui aussi. Hein. Ou peut-être pas lui. Sors, 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 sors. Et il y a ce con, il va retourner dans l'eau. Lui il est dedans et lui c'est bon. Allez, je ramasse celui-ci, 235, l'autre on ira le chercher après. Ah, GG Florian. Petit Great One pour Flo, GG. On applaudit, on applaudit. Et 637, ouais, c'était un beau score, hein. Nathan, bah il se passe rien, c'est juste que du coup tu seras obligé de ressortir à nouveau un petit, donc ça va être galère. Et si tu tues une femelle, c'est pas bien grave, hein, t'inquiète pas. Combien j'en tue, ça m'arrive souvent, hein. Surtout sur le daim.
Moins sur le cerf de Virginie. Yo, salut Antoine. Hein. À bientôt. Merci à toi d'être passé sur le live. J'ai pas le gros là. Il est où le 2 qui est là? Normalement, il apparaît spot aussi. Hein. Ah merde, j'ai pas le bon. Attends, pourquoi j'ai cet appôt là moi? J'ai gardé la classe de mon. De mon daim. Je vais rechanger ça, tiens. Quand on va changer là-haut. Quel con. Quand il tombe dans l'eau, on fait comment? Soit tu attends, soit tu changes d'endroit et tu reviens sur l'autre endroit après. Quoi, tu téléportes sur une autre tente ou une autre maison. Tu reviens sur ton truc et généralement il est sur la berge. J'avais gardé ma classe depuis tout à l'heure. C'est quelle catégorie? La nouvelle Zarza? La Arzina, tu veux dire. La Arzina, c'est une 300, donc c'est une catégorie 7 à 9. Merde, du coup. Alors, j'ai un petit 2. Donc... Pourquoi ils se mettent de dos maintenant? C'est abusé ça. Ouh! T'as eu de la chance toi. Oh non, j'avais. Putain, j'avais pas rechargé. Mais quel con! Mais quel con! Ah, y en a aucun qui a pris. Super. Moi, généralement, l'animal que tu tues qui reste sur la flotte, quoi, il flotte, je veux dire. J'en ai tué un, je sais pas où il est. Oh, ça me fait chier de les chercher. Là. Je vais regarder vite fait s'il n'est pas parti trop loin. J'en ai un là. Et l'autre va mourir aussi. Mais l'autre, je vais juste regarder la tache de sang, à mon avis. Il doit être je sais pas où. C'est même pas une tache de sang. Ça, c'est une merde aussi. L'autre, il est parti je sais pas où. C'est pas grave. Le premier diamant pour la Zarza à l'instant. GG BRP. Je trouve dommage que tu ne donnes pas pouvoir adapter. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui avaient demandé justement à avoir des mangeoires. C'est vrai que ça aurait pu être cool ça. Il apparaît pas non plus ici là. Peut-être qu'ils mettront hein, le petit mangeoir. C'est vrai que ça pourrait être bien, ça. Bah, surtout dans les heures où ils mangent, en fait. Tu sais, tu mets ça et tu peux débloquer des nouveaux spots où ils mangent, etc. Ça pourrait être vraiment cool. Enfin, putain, mais tous mes animaux ont pas respawn, quoi. C'est abusé. Déjà, atteint les 1 million de dollars. Ça y est, millionnaire. T'as rejoint le monde des grands. On va se remettre un peu de musique là, parce que... Non, pas celle-là. Allez, let's go. Alors du coup, j'en ai un là et l'autre là.
Et les autres sont pas là. Ah, j'ai mes animaux qui ont pas tous respawn. C'est galère ça. Ouais, tu poses de la bide. Ouais, ça franchement, ça pourrait être un bon système, tu vois. Si tu veux farm sur des endroits où ils bouffent, et bah tu poses des mangeoires. Ça pourrait être vraiment un truc très très bien, ça. Mais y a, la communauté l'a déjà demandé il y a des années, hein. Et ils l'ont jamais mis. Lucas, je relive quand on est 4 jours jeudi. Demain, non. Sûrement samedi. Sûrement samedi soir ou dimanche soir. Donc, je vais aller chercher celui-là vite fait. J'ai pas été le chercher tout à l'heure. Non, j'ai pas le grid pi, je l'ai pas. Un jour peut-être. Et c'est pour ça que je m'arrêterai pas de farm le cerf de Virginie tant que je l'ai pas. Il est tellement magnifique en plus. Après, je sais pas s'il existe avec, avec plusieurs bois. Ou s'il y a vraiment qu'une seule sorte de bois. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai hâte de l'avoir. Ouais, ouais, c'est ça. Cerf de Virginie. Il y a le Grit One, Cerf de Virginie, Pi. C'est le plus dur à avoir du jeu. C'est vraiment le Graal. Hein. C'est le Graal One. Hein. D'ailleurs, je refais un petit coup de pub pour les gens qui boivent de la boisson énergisante. N'hésitez pas, hein, j'ai un nouveau sponsor, Oli Energy. Des boissons saines, sans sucre, sans colorant, sans caféine, sans taurine. Vraiment très très bon, à base de fruits. Putain, j'ai regardé, j'ai mes animaux qui n'ont pas tous respawn. Donc le lien, si vous voulez commander, vous avez 5 euros offerts sur votre première commande. Le lien est dans la description du live, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez. Il y a des packs découvertes à une quinzaine d'euros, donc ça vous ferait 10 euros du coup, vu que vous avez 5 euros d'offert. Et honnêtement, ça vaut le coup. Très très bon produit. Bon, les animaux veulent pas respawn. Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Allez, dis-moi qu'ils ont respawn. On va changer de spawn, on verra. Perso, je suis que Monster. Ah bah tu vois, Monster, c'est vrai, c'est hyper hyper sucré. Moi, je suis pas fan du tout comparé à Oli. Et il n'y a pas que Oli. Après, il y a d'autres marques aussi qui fait ces boissons-là. Mais Monster, hein, non, c'est trop chimique pour moi, je peux pas. Oh, il a pas pris sa balle, lui. C'est bon.
Ah ouais, non, Monster, non, non, non. En plus, Holy Energy, vous avez des... C'est que des trucs en sachet ou des choses comme ça en carton. C'est pas de... Vous avez pas de canette. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Ils sont plus un peu pour l'écologie. Bon, à part leur, les checkers, bon, bah, ça reste checkers en plastique. Hein. Mais ils font des très beaux checkers, hein, limite des petits genre de thermos à moitié magnifiques. J'en ai un là, tiens. Ça fait des petits trucs comme ça. Et c'est du... c'est de l'aluminium. Et franchement, très bon produit. Hein. Franchement, j'ai pas, pas à me plaindre. Hein. Et honnêtement, c'est plutôt bon. C'est que goût fruit, par contre. Pas goût chimique. Donc ouais, en même temps, si vous voulez soutenir la chaîne, ça aide énormément. Si vous voulez faire des petites commandes, n'hésitez pas. Allez y faire un tour, hein. Vous avez le lien. Ça coûte rien d'aller y faire un tour. S'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Et maintenant, on retourne au gaming. Bah merci à toi Warren. C'est abusé, je me fais attaquer par des loups quand je farme les serrelaves sur Quattro Colinas. Ah ouais, tu te fais attaquer par les loups toi? Ça m'est jamais arrivé je crois. Mais même eux, il est où l'autre, le gros, là? Depuis tout à l'heure, on le voit pas, lui. Je sais pas où il est parti. C'est abusé, hein. Tous mes animaux ont galéré à... À mon avis, j'en ai un ou deux qui sont partis voyager chez les copines, à mon avis. Mais je t'en prie, avec plaisir, Raza. N'hésite pas. Hein. Les lives, c'est fait pour qu'on puisse discuter en même temps. Si vous avez des questions ou autre, il ne faut pas hésiter. On peut mélanger avec du rhum blanc, oui, oui, tu peux. Hein. Après, c'est des sachets poudre que tu mélanges avec de l'eau. Donc, tu vas un peu couper ton rhum à l'eau, quoi. Mais oui, c'est possible. Hein. Après, de toute façon, ça reste, ça te fait un soda. Il hein. N'y a pas que des boissons énergisantes, vous avez une base iced tea et vous avez hydratation, justement pour le lendemain cuite, hydratation c'est très bien. Map, 27 bloqués. Ouais, des fois t'as des bugs hein, comme ça, l'iron. Voilà, sur cette carte-là, c'est pareil, j'ai un endroit, mais Serre de Virginie ne bouge pas, en fait. Ils restent, ils sont buggés. Je sais pas pourquoi. Ça arrive des fois. Oui, c'est ça, ouais. Vous avez 5 euros de réduction sur votre commande. Donc si tu veux faire une commande à 15 euros, tu vois, ça te fait, tu payes 10 euros. 5 euros, c'est toujours bon à prendre. Ah, merci Jean-Luc. Ouais, n'hésitez pas sur les pouces, hein. Plus il y a de pouces, plus le live sera mis en avant. Donc n'hésitez pas. Mais j'ai plein d'animaux qui n'ont pas respawn, c'est ouf. Là, mon 2 ou 3, il n'a pas respawn non plus.
Ça va être une petite tournée celle-ci à mon avis. Yo Shaina. Sur Medved, tu détailles de ta position, de tes tentes. Non bah après ça dépend. Tu sais, chaque carte, genre la tienne, va pas être pareille que la mienne. Donc ça sert à rien que je te fasse voir mes points. On n'aura pas tous les mêmes points sur. En fait, chaque carte est différente. Donc tu peux pas placer tes tentes en fonction des miennes. Parce que tu n'auras pas les mêmes points. Donc faut vraiment faire en fonction de ses points, de sa carte. Ouais, elle est très belle, Medved. Pour l'élan, elle est bien, Medved. Un peu galère avec, avec la rivière. J'ai beaucoup de solos sur la rivière, moi. Moins en ce moment. Mais j'en ai quand même pas mal. Donc c'est le truc qui est un peu galère, par contre. Ouais, c'est vrai, j'ai pas de tente de l'autre côté. Je suis tellement habitué à aller chercher avec la tente que... C'est vrai que Medved est très belle, mais elle a fait mal aux yeux aussi quand même. Hein. Toute blanche comme ça. Elle pique un peu les yeux. Hein. C'est vrai qu'elle reste très très belle. Hein. Je sais que moi, pour l'élan, j'ai bien kiffé. Hein. Oh, let's go! Un autre 3. Viens là, toi, ou l'autre. Il est juste derrière. Ouh! La femelle. Il est parti. Il est où? Ah, il est là-bas. Non, j'ai une femelle qui a pris devant. Mais... Oh, c'est bon, il va te prendre quand même. Putain, c'est dégueulasse. C'est quoi ces tirs là? Ouh, j'aurais un autre 3 là-bas. Ouh, ouh, j'ai un autre gros 2 là et un 3 là, je pense. Ouais. Ça va être difficile de le tirer celui-là. Il va falloir que j'essaye de tirer lui avant. Il a pas bougé, il a pas bougé, il a pas bougé. Donc ça m'en fait 4. C'est compliqué de placer ses tentes sur Medved avec la végétation. Ouais, bah des fois t'es obligé de marcher quand même. Hein. Moi je suis obligé de marcher des fois 100-150 mètres avant d'arriver sur mon trépied. Ça arrive, des fois t'as des tentes, quoi, des points où c'est vraiment galère quand même. Mais bon, ça fait partie du jeu. 271-24. Plutôt pas vilain celui-là non plus. Petit screen pour celui-là. L'autre du coup il est parti, je sais pas où. Live sur quoi samedi? Samedi je pense que... Je sais pas. Je pense que ça sera soit du daim, soit du... Oh ma femelle, la pauvre. Je pense que ça sera soit du daim, soit de l'ours. C'est vraiment les deux qui me manquent là. Il faut vraiment que j'essaye de boucler... boucler au moins une couleur sur les deux. Non, non, tu débloques juste les coins où il y a de l'eau. Hein. Juste les coins où ils boivent. Hein. De toute façon, c'est sur ces coins-là que tu farmes.
Les autres, ça sert à rien, Tiger. Fais juste le tour de tes lacs, hein, c'est tout. 262. Putain, pourtant, il avait des gros bois, celui-là. J'ajoute un petit diamant. Et l'autre, oh, l'autre, il a rien pris du tout. Ouais, les élapes, je les ai tous. Ouais, bah, il y en a pas beaucoup, il y en a que 3 de toute façon, donc. Mais ouais, j'en ai quelques-uns quand même. Et je sais pas combien j'en ai des cérélapes, mais. Oh, je vais pas aller le chercher, lui, il va me faire courir 50 ans. Ouais, c'est ça, il manque le mocha. Le mocha sur le daim et. Le glacier légendaire version 2 qui me manque sur l'ours. Yo, salut The King. Bienvenue à toi. Ok. Je sais plus lesquels avaient pas spawn, ouais, c'est pas grave. On verra ça sur la prochaine tournée. Allez, on va s'en refaire une bonne là. J'espère que ça va sortir, nom de Dieu. Après, on est que à 132 kills, il faut pas en demander trop non plus. Ça marche à plus, Jean-Luc. Zarzina en action, ouais. T'inquiète, tu la verras. Bah, y avait le live avant-hier. Ils m'ont mis un là. Oh, j'ai une femelle qui a spawn ici. Je crois, j'avais pas autant de femelles. C'est quoi ce délire? Je vais voir sur la tournée d'après, mais bizarre. Ça veut dire quoi, RBZZ? Bah à l'origine, mon nom c'était Rebs. Et j'en suis venu à retirer le E et du coup ça a donné RBZZ, mais ça se prononce toujours Rebs. En fait, BRP, les trépieds, ça sert à pas exploser tes zones, en fait. Tu peux tirer 6-7 mâles sur ton spawn sans que ta zone devienne rose, en fait. C'est ça qui est bien. Que quand tu tires 100 trépieds, tu vas pouvoir en tirer que juste 2 maximum, sinon ta zone, tu l'éclates.
Comment tu as les couleurs sur tes armes? C'est tout con, tu vas dans ta tente, tu fais personnaliser sur ton arme. Regarde, je vais te faire voir vite fait. La sœur. C'est vraiment très très con. Tu vas dessus, tu vas sur ta carabine. Tu vois là, c'est en bas à droite, c'est marqué personnaliser. T'appuies. Tu vas avoir un petit chargement et après tu vas avoir toutes les couleurs que tu peux mettre sur ton arme. Voilà, là t'as tout. Tu vois, t'as toute peinture. T'as les sprays. Ouh, il est beau celui-là. Ils ont rajouté celui-là, j'avais pas vu, je crois. Et t'as tous les matériaux, etc. Tu vas faire un tour là-dedans, puis après tu fais appliquer. Et voilà, ton arme a une couleur. Ah, là j'en ai un qui me manque. Ils m'ont remis un autre 1. Hein. J'ai beaucoup trop de 1 là. Il va falloir refaire un ménage là-dedans, je crois. Mes animaux spawn pas tous, ça je vais être obligé de redémarrer le jeu à mon avis. Je vais voir, je vais continuer cette tournée là. Le permis de chasse, c'est pas si cher que ça, je crois. Je crois que c'est moins d'une centaine d'euros, je crois. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que après, c'est les actions qui coûtent le plus cher, quoi. Ouais, tous mes animaux ont du mal à respawn. Oh, encore un 3 là-bas, je l'ai vu. Oh, il est énorme, 265, 306. Oh, j'en ai un. Ouf, j'ai peut-être deux. J'ai peut-être deux diamants. Celui-là, c'est à mon avis, c'en est un. Et celui-là, c'est sûr même. Là, j'en ai qui sont partis, qui sont venus ici en fait. Et l'autre, il est où? C'est celui-là. J'en avais un autre là-bas. Pris lui. Il veut pas se calmer lui. Allez, calme-toi, calme-toi. Oh non! Il fait n'importe, il en panique le truc. Voilà, il est en mode Usain Bolt, c'est mort. Et du coup là-bas, est-ce que j'en avais un qui avait respawn? Non. Ouais, tous mes animaux n'ont pas respawn, hein, c'est galère. Je vais aller chercher les deux là-bas. Merci à toi, Régis. Et non, 252, celui-ci. Celui-ci, par contre, 200. Oh, il me donne le minimum. Putain, c'est ouf. Oh, il y a des bois chelous, lui. Il est pas dégueulasse, mais un peu chelou. Ouais, puis de toute façon, les autres, ils ont pas respawn, là, donc. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter sur ça, hein. Ça fait combien? Ça va faire bientôt 2h, 1h40 qu'on est en live, 1h45. On va s'arrêter là, je vais garder des forces un petit peu pour samedi. Écoutez, merci à tous d'avoir été là présents sur ce petit live. Et puis on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo ou sur le prochain live. Et bonne fin de soirée à tous, mes petits bracos, et bon farm pour ceux qui partent chasser. Ciao mes bracos.